il fait pas assez. Le point peut on savait même pas encore que j'existais. Mais sois sûr que le premier qui nous a vu c'est désister. Autant jeune et innocent, de l'avoir envolé sans billet. On squatte le bac à sable avec un sable et le billet. Afin de faire du vandalisme, même sans le savoir. On va prendre pas qu'on est sans avoir. Après nos voisins, nous trop racistes de presser. Nous étions mal élevés, leur père finalement mieux dressé. Faut qu'y croire pas, d'ailleurs j'ai jamais cru. Tiens pas dans ta lettre, seul amour, que j'ai jamais plus lourd pour pas se mêler. Les vertus du bonheur, conduites à la mort. Dans un bar à Barbès et à la menthe où sous des tagines à la gare. Plus de scopicole pour nous louer Saïd Abdallah. Avec un sale accent, pas de salam alek. Me dirait un athlète originaire d'Algérie dans les moulatars à la scène. Plus de thé à la menthe, juste des pales à ma mère. Comme un malade mental, j'ai mal à la tête. Je crame à l'enstrand, Smith, Radina, Skin, 520, ça va son temps. Mais si c'est un attentat, que quelqu'un plus de plus y adhère. Je te dis que de ne pas manger le pain dans mon bureau. Faut pas salir mon bureau. Tu m'entends? Madame, ça va? Ça va. Ça va bien? Je te dis ça va. Je te dis ça va. Jean, ne mange pas le pain dans mon bureau. Ah, mais viens me réveiller, bon. Tu viens de te réveiller, je t'avais réveillé à 7h40. Comment tu veux dormir encore? T'as mieux. Le ramassage, c'est à 8h45. Si ça trouve que tu n'as pas déjeuné, c'est fini. Je te dis de ne pas manger le pain dans mon bureau. Tu ne changes jamais, Anne. Toujours le même comportement. Regarde comment tu es habillée. Madame, c'est le style. Regarde. Ah. Madame, c'est le style. Jean, je ne sais pas quand est-ce que tu vas changer. Madame, va les exemples sur tes autres camarades, comment ils sont. Mais c'est exemple de changer ton comportement, Jean, c'est pas bon. C'est exemple de la vie. Regarde comment tu es habillé. Regarde comment tu es habillé. Madame, c'est le style, voilà. On est au 21e siècle. Si tu continues comme ça, c'est pas bon. Madame, je veux vous voir. Pourquoi? Madame, c'est chelou. C'est que je vous dis à plus sûr. Ok, je t'écoute. C'est urgent. Quoi? C'est urgent. Je t'écoute, vas-y. Je sais que je m'écoute. Madame, mon petit frère a fait un accident hier. Donc, il me demande 500 euros. Le médecin me demande 500 euros. Donc, il faut que je l'envoie. Sinon, sinon, c'est pas bon. J'ai ajouté quoi, là? Je te dis que je te crois pas, je te connais très bien. Je te connais très bien, Jeanne. Bah, je ne peux pas m'en dire sur ma famille. Tu sais que je t'avais dit que je ne peux pas te donner de l'argent. Je t'avais donné 200 euros pour acheter des habits, mais jusqu'à présent, tu ne m'as pas donné le reçu. Bah, je t'ai donné le reçu. Non, ma vie, c'est ça, son mal, je t'ai donné le reçu. Quand est-ce que tu m'as donné le reçu? Bah, attends, à manger. Jeanne, ne m'énerve pas. Mais quand vous avez besoin de ma vie, ne m'énerve pas, je dis, quand est-ce que tu m'as donné le reçu? Ça fait 3 semaines comme ça. J'ai besoin du récit. Tant que tu ne me donnes pas le récit, même un centime, je ne vais pas te donner. Voilà, tu as oublié ça dans ma micro-ondes là, récit là. Ce n'est pas donné. Là, là, c'est malin. Mais n'énerve pas, tu sais quoi? Il faut sortir de mon bureau. Moi, je vais travailler. Voilà, mais c'est sérieux, mon petit frère. Ah, c'est sérieux. Non, c'est sérieux. Tu sais, moi, je ne veux pas sortir. J'ai besoin du récit. Ça fait 3 semaines comme ça. Jusqu'à présent, tu ne m'as pas donné le récit. Même un. Je ne vais pas te donner de l'argent, même un centime, tant que tu ne donnes pas le reçu. Madame Pen, vous voulez. Jeanne.
Qu'est-ce que tu entends? C'est la troisième fois que je te dis de ne pas manger le pain dans mon bureau. Ah bon? Le bureau? C'est toi qui, celle-ci, tu vas le mettre dans ta poche ou quoi, mais il ne faut pas manger le pain dans mon bureau. T'as compris, madame? Excusez. Madame? Madame, je vais payer le frigo pour ma maman aussi, non? 500 euros. Tu viens de me dire que ton petit frère a fait un accident? Et maintenant, tu parles de l'affaire de frigo? Qui a dit ça? Non, c'est moi qui ai dit. Ah, non, madame, vous savez que je suis bête. Non. Tu es bête? Oui. Ok. Ne prenez pas quoi en compte ce que je dis. Oui, non, je suis bête souvent. Souvent, il devient intelligent, souvent, il devient bête. Ok. Comme tu es bête, tu sais quoi? Ah. Ne me casse pas la tête. Je suis fatigué. Ah, moi, je suis amusé, là. Je ne pas me battre, je suis ici là, pour casser la tête. Jeanne, s'il te plaît, j'ai beaucoup de travail à faire. Ma... Sors de mon bureau. Madame, pardonnez, mais... Ça, c'est déjà un frigo là, vous savez, non, le quartier là, dans le quartier là, au Burkina, là, tout le monde a frigo, tout le monde a payé frigo pour sa maman. Si moi, elle ne paye pas, c'est le monde pour moi. Tu ne fais que mentir. Tu me dis que ton petit frère a fait un accident et oui, tu vas faire du frigo. Tu n'es qu'un menteur, Jean. Oh, moi, depuis que je suis né là, ma maman m'a dit qu'il n'a jamais menti. Toi, il n'a jamais menti. Toi, je te connais très bien. Qui? Je te connais plus que les jeunes qui sont ici. Les jeunes là, c'est qui? Non, madame, c'est moi qui donne 500 euros. Non. Madame, là, vous m'avez donné 500 euros. C'est jamais. Même un centime, je te donnerai pas. Tant que tu ne donnes pas les reçus. Bon, ne donne pas les reçus là. Ah! Ok. Non, 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 tu aimes qui? Ma fille. Laquelle? La belle Jean. Je lui donne 500 euros, elle m'a promis le mariage. C'est la fille qui t'a demandé de lui donner 500 euros. Qu'est-ce qu'elle va faire avec 500 euros? Elle a des robes, chaussures. Ben, avec elle, il y a une robe qu'on appelle la Chanel. Que c'est Marc Chanel. Alors, elle est belle, ma femme là. Non, là, c'est moi, elle est belle que vous-même. Oh, pardon, elle n'est pas belle que vous. Si elle a 500 euros, elle n'est jamais belle que vous. Qu'est-ce qu'elle va faire avec 500 euros? Pourquoi tu demandes ça? Madame, mais c'est pour mon bien, non? Elle m'a promis le mariage. Elle m'a promis le mariage, tout et tout. Si elle lui donne, on va se marier, on va faire venir l'enfant. Ah! Jeanne, la fille de quelqu'un. Elle-même. Ça fait combien de mois depuis que vous êtes rencontrés? Combien de mois? Oui. J'en ai calculé. On a quel mois? Novembre. Trois mois. Madame, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois que vous êtes connus. Mm-hmm. Et tu demandes 500 euros. Jean. La fille, elle ne t'aime pas. Elle-même. Si vraiment elle t'aimait, mm-hmm. elle n'allait pas te demander de l'argent. Madame, elle allait te demander de l'amour. Madame, c'est amour qu'elle a. Jeanne, l'amour ne s'achète pas. Si, elle non. Elle ne t'aime pas, Jeanne. Elle-même, d'abord. Vous êtes pas mon père, là-bas. Elle-même. Elle-même, elle m'a approuvé. Elle t'a approuvé? Oui, on lui demande 500 euros. Jeanne, tu es très naïf. Je très net, Jeanne. Madame, non, madame. Madame, même. Tiens, non, madame, ça, c'est moi, elle-même. Tiens, elle-même, même. Essaye de me comprendre, Jeanne, s'il te plaît. Je comprends pas. Pourquoi donner 500 euros là? Alors, moi, je ne vais pas te donner les 500 euros. Même un centime, je ne vais pas te donner. Essaye de me comprendre. Madame, essaye aussi de me comprendre. L'amour là aussi, elle peut. Hein, l'amour est bien. Ok. Madame, pardonnez. Même un centime, je ne vais pas te donner. S'il te plaît, il faut sortir de mon bureau. Sors. J'ai beaucoup de travail à faire. De sortir. Je te dis de sortir. Donc, elle va me donner 500 euros. Ah, Dieu. Non, Dieu n'a rien à voir, ça. Il faut donner 500 euros. Dieu n'a rien à voir ici. Dieu n'a rien à voir ici. C'est 500 euros déjà. Jeanne. Hein? Sors de mon bureau. Madame, vous le pensez. Madame. Ah, si mon petit a un problème là, c'est bon, hein? Ah, c'est bon, hein?
Vous avez dit l'affaire accident, puis vous ne voulez pas me donner 500 euros. Tu seras responsable de tes mensonges. Qui, moi? Non, moi. D'accord. Voilà, il faut vous poser une question. Je t'écoute. Attendez, ma prochaine. Madame, vous avez le mot mal. Oui, je l'ai. Madame, madame, vous avez dit que je l'ai. Je t'ai dit que je l'ai. Il t'a jamais demandé l'argent. Tu sais quoi? Pour qui tu as des affaires? C'est mon affaire. Pour qui tu as des affaires, j'ai dit. C'est mon affaire. J'ai assez. Sors de mon bureau, s'il te plaît. Ah, c'est quoi l'affaire là? Sors de mon bureau, s'il te plaît. Non, madame, n'est pas de l'incendie à l'heure. Madame? Madame? Bonne nuit, madame. Non, madame, non, c'est le 500 euros que je vais donner. Tu. Ça, c'est la pêche, c'était en pleine journée. Tu ne changes jamais ton comportement. Vas-y, madame, bonne nuit, madame. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec Jeanne. J'essaie toujours de lui faire comprendre, mais n'accepte pas. Fais comme bon te sens, moi, en tout cas, je ne vais pas te donner même un centime. Ha, ha, ha.